Jingle bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey. Ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de Vlogmas. Et oui, déjà le dernier. Là, quand je filme, nous sommes le 23 décembre. Vous l'aurez euh, demain matin. Et ce mois est passé trop, trop vite. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce que je vous réserve euh, Deux projets finis, une petite acquisition, euh, un peu de blabla sur tout ça. Et puis, en, je vais également aborder ce que j'aimerais, mes petites idées pour 2024. Bref, tout ce que je vous ai prévu. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier. Vraiment merci d'avoir suivi ces épisodes, euh, que ce soit un deux ou la globalité. Mais vraiment merci. J'ai passé un super mois. C'était vraiment trop bien de vous filmer comme ça euh, au fur et à mesure du temps. Ça me, ça me motivait. Ça me, avoir vos gentils commentaires de, de bon matin, franchement, ça fait toujours plaisir. Enfin, J'ai passé un super mois. Et vraiment merci à tous. Ça va me faire bizarre. Là euh, ça va faire bizarre de reprendre un rythme avec une vidéo par semaine ou ouais ça va ça va être étrange mais vous verrez j'ai quelques petites idées vous pourrez me donner votre avis. Alors pour commencer, déjà, euh, donc je vous ai dit là on est vendredi, la dernière fois que est... je vous ai donné des nouvelles, je crois qu'on était mardi. Euh, mercredi, nous sommes allés euh, au marché de Noël d'Arras. C'était sublime. Je pense que vous aurez eu euh, quelques images, enfin c'est sûr, un petit montage en début de vidéo euh, des images prises par euh, mon caméraman, autrement dit mon mari. Et euh, on a vraiment passé un super moment. C'était, euh, il, bon, il faisait froid mais sans plus, hein, vraiment. Et dans le noir, c'est tout éclairé. Il y avait euh, quelques manèges, plein de choses à manger. C'était euh, vraiment, il a bonne réputation, il est bien connu par chez nous. On dit souvent que c'est l'un des plus beaux et c'est vrai que c'était vraiment magnifique, donc si vous êtes du coin ou si vous voulez euh, venir, euh, je vous le recommande. Pendant ce petit marché de Noël, donc on fait notre, petite, euh, notre petit tour, on mange plein de cochonneries. D'ailleurs, j'ai bu le meilleur chaud -cho de ma vie et euh, ensuite, on fait pour revenir hein, pour euh, prendre la voiture et on s'est perdu. Et comme quoi le hasard fait bien les choses, euh, Comme nous sommes perdus, on est passé devant une petite mercerie, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y avait des choses magnifiques. Donc je jette un œil euh, comme ça en vitrine vite fait. Et là je vois qu'elle fait de la jawol. Et moi j'ai pas de mercerie près de chez moi qui vendent, euh, qui vendent cette marque. Elle avait également plein de beaux tissus, du Lister, enfin vraiment la mercerie euh, moderne. Où vous aviez des, des patrons les BG, des patrons icatifs enfin, franchement, tout ce que j'aime. J'ai été raisonnable, mais j'ai quand même craqué sur deux petites choses. Alors, j'ai pris la Jawol de langue, la super wash. Donc, dans ce coloris qui fait un peu vert émeraude, c'est le coloris combien 830188. Toujours très simple leur nom de coloris. Hein. Donc, celui-là, j'adore. Et avec, j'ai pris de la suri alpaca. En coloris, c'est encore plus compliqué. 1082-0094. Donc, c'est un espèce de beige. Ça, c'est doux. Mais qu'est-ce que c'est doux Je ne vais pas trop le frotter parce que c'est clair. Je suis maquillée. J'ai tout mon naturel qui va, qui va déteindre des dessus. Donc, j'aimais bien ce petit combo. Donc, ça, c'est dommage. J'avais pas énormément de couleurs. Sincèrement, c'est on m'avait dit hein, euh, parmi vous quelqu'un m'en avait parlé hein, sur message privé Insta et c'est vrai que c'est incroyablement doux. Puis c'est vraiment vous voyez, il y a vraiment un, be un bel un halo. Non, c'est vraiment très beau. Et avec ça dans mes euh, projets 2024, j'aimerais me tricoter les chaussettes Suri moi de Lysandre. Je les trouve très jolies avec une petite dentelle en Suri comme ça sur les chevilles, ça doit être hyper agréable, puis j'aime bien les chaussettes de Lysandre, elles sont bien expliquées, elles ont toujours ce petit truc en plus, donc je pense que ce petit combo ce serait parfait. Après ça c'est sûr, ça euh, j'adorais la couleur, j'aime bien cette couleur un peu vert émeraude comme ça ou bleu canard, c'est... Je vois jamais trop la différence entre les deux. Mais euh, à voir. Mais en tout cas j'aimerais me les tricoter, ça c'est sûr, ça fait un petit moment qu'elles me font de l'œil. Et ça sera au courant 2024, décan. Donc voilà pour ma petite acquisition, mon mercredi et jeudi. <laughs> jeudi, vous vous rappelez, si vous avez regardé les autres podcasts, vous savez que tout ce mois a tourné autour d'un seul projet, le pull de mon fils qui m'a donné l'ascenseur émotionnel, bientôt fini, puis rien ne va plus, puis on retrouve les idées, enfin... Bref, ce pull m'aura fait descendre, quoi. Il est tout simple, il n'y avait pas de manche, il n'y avait pas de grand col, il n'y avait rien, et clairement me voilà il m'aura bien donné de la panique et de la déception et <laughs> bref toujours est-il que là je suis en train de relever je vous avais dit le col pour euh, en faire un, un col bah, comme ça en fait un gros col comme ça ça fera euh, vu que mon fils a déjà perdu je crois deux ou trois snoo d'écharpe et compagnie euh, depuis le début de l'hiver à l'école je me dis au moins il y aura un pull où ça sera accroché il pourra pas me le perdre et ce sera très bien donc ce petit pull là il n'est pas fini et je me suis dit si jamais ce col ne va pas tu vas encore une fois te trouver sans solution et puis il n'y a pas, hein. je le voulais ce petit pull j'avais dit ah, c'est pas grave il va pas avoir froid chose qui est vrai hein. on est en intérieur donc euh, il aura pas froid mais quand j'ai une idée dans la tête je suis, une... voilà, je suis un petit peu tête de mule Puis <laughs> surtout quand il s'agit de mon... de mon fils enfin je sais pas pourquoi je vois je visualise quelque chose enfin je dis pour mon fils mais non en fait c'est comme ça pour tout je. Oui, quand j'ai une idée dans la tête, j'ai du mal à me la sortir. Sincèrement, c'est pénible d'être comme ça. Et, Et j'essaye hein, de changer, mais, mais ça ne va pas. Donc, du coup, je me suis dit euh, voilà, tu... tu peux essayer ce pull, mais pas euh, tout de suite. Parce que si jamais ça ne va pas, après, j'ai eu plein de solutions. Sincèrement, merci à toutes d'avoir euh, donné vos solutions. Si le col ne marche pas, on m'a proposé, je vous l'avais dit la dernière fois, euh, de mettre une ligne. Une ligne de, de survie et puis détricoter le haut et trouver un autre modèle pour le haut. On m'a proposé de faire des rangs raccourcis. Enfin, c'est que des bonnes idées. Sauf que vu que je suis pas une experte en tricot, j'ai peur de. Au final, je pense que ça m'aurait pris plus de temps de changer un patron que d'en faire un autre. Donc, je vais le finir parce que je veux le voir fini. Rien que pour mon. Pour voilà, pour le temps que j'y ai passé, j'aimerais qu'il le porte. Donc, je vais quand même essayer de le terminer. Mais je voulais vraiment euh, avoir quelque chose pour, euh, pour demain soir. Et du coup, j'ai changé de projet. J'ai demandé conseil à Mélanie. Je dis T'as pas un petit modèle à me conseiller euh, Sleepover, euh, mixte, hein, qui va aussi à un petit garçon. <laughs> je rigole parce que. <laughs> Pardon. Pour de vrai, en tapant vite, ou alors avec le correcteur, je sais pas, c'est pas un, un sleepover que je lui ai demandé. C'est un slip -over. <laughs> Donc elle me dit. Euh, en slipover si j'ai bien un truc à te conseiller, slipover euh, on n'a pas ça à la maison. <laughs> voilà comment on a l'air ridicule parfois en faisant trop vite. Donc, pour tout ça, pour vous dire qu'elle m'avait conseillé ce modèle, donc le holiday slipover junior qui se tricote en très grosse laine et je n'avais pas la laine hein, forcément. Et donc je me suis dit bon bah c'est tout, je vais la commander et je vais me le faire, euh, enfin je vais lui faire pendant les vacances. Sauf que je l'ai commandé sur le site euh, laine et tricot je crois, je crois que c'est ça, laine et tricot. Et je l'ai commandé, euh, je, pareil, je crois un jeudi soir, mais bien bien tard. Et le lundi, le colis était dans la boîte aux lettres. Enfin vraiment euh, action réaction, ils ont été hyper rapides. Donc du coup jeudi matin, je me suis dit bon moi bah, il y a pas T'as deux jours pour le faire, le faire sécher, le bloquer, le tout ça. T'y vas. Donc ça va, c'est des aiguilles euh, très très grosses. Bien évidemment, je n'ai rien. J'ai tout rangé, euh, ce qui me restait. Euh, mais sinon, pour vous dire, ça se tricote en laine cosse. Donc pour la taille, moi j'ai fait la taille euh, 6-8 ans. Et j'ai bien fait. Hein, j'ai hésité avec la 8-10 ans, mais ça aurait été beaucoup trop grand. J'ai fait la 6-8 ans. Et il m'a fallu 4 pelotes de cosse. Et clairement, j'en ai 2 qui sont quasiment complètes. C'est vraiment pour dire de finir les, les, les petites encolures que, que j'ai utilisées. Excusez-moi, j'ai du mohair dans l'œil. Les ah, aléas du direct. Et tout ça pour vous dire que oui, j'ai deux pelotes qui me restent sur les 4. Deux hein, pelotes quasiment pleines, mais j'ai quand même dû les entamer. Et une pelote de, de Mohair, donc de chez euh, Sandnes Garn aussi. La cosse, elle vient de chez Sandnes Garn. Je l'ai choisie en bleu marine. Alors, vous savez que le bleu, c'est ma couleur préférée. Et puis euh, pour mettre avec sa petite chemise Bordeaux. Donc je l'ai commencé jeudi. Ça se tricote avec des pieux. Avec des aiguilles 9 et 10. C'est énorme. Ça avance très vite. Et contre toute attente, j'ai mon puce. <laughs> je vous l'avais dit à la danse de la joie. Qu'est-ce que je suis contente Mais qu'est-ce que je suis contente Il est trop trop beau. Je vais pas vous mentir là, il est encore un petit peu humide. Je me suis dit allez c'est pas grave, faut que je le montre. Mais euh, il manquera un tout petit coup les. Là ça va, c'est vraiment au centre qui est un petit peu, ouais, il est encore un petit peu humide. Donc maintenant j'ai plus qu'à croiser les doigts parce que si j'ai fait tout ça pour que demain il soit mouillé. Non <laughs> non 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 non. <laughs> S'il si, faut j'irai au sèche. Je rigole, hein, faut pas le faire, enfin, je crois pas. Donc voilà mon petit pull. Donc comment il se construit Eh bien, comme tous les ceux d'avant, hein, parce que là clairement, d'habitude je suis pas fan des manches, mais là c'est le troisième pull sans manches consécutif que je fais. Un pour moi, deux pour mon fils. J'en ai marre, sincèrement. Là, là je ne vais pas en faire pendant un petit moment, je crois. Enfin je vous dis ça. Et si ça tombe la semaine prochaine, je vais vous en avoir castonné un autre. Mais là à l'heure d'aujourd'hui Stop! Donc celui-là se commence comme le précédent. Donc c'est-à-dire, enfin comme les deux précédents même. On commence par le dos. Donc on monte le haut du dos. Ensuite vous relevez des mailles. Vous faites un côté avec ce jeu d'augmentation. L'autre côté. Ensuite vous réunissez en rond. Il suffit de tricoter et ça va très 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 vite. Et ensuite, bah, c'est les côtes. Là j'ai simplement un petit peu changé. Je ne sais pas si vous allez le voir sur cette petite demoiselle. En fait, à l'arrière, c'est censé être ouvert et le dos, là on le voit bien, le dos est plus, le dos est plus long que l'avant. J'aimais bien, mais euh, je... voilà. Pour mon fils, en plus, il a un pantalon en velours côtelé, etc. Puis pour lui bouger, j'étais pas sûre. Donc au final, je l'ai fait un petit peu plus court. Et puis pour gagner du temps aussi, hein, parce que euh, le le temps là ça commençait à, à compter. Donc je l'ai fait un petit peu plus court, j'ai fait le nombre préconisé de côtes, le nombre de centimètres, mais par contre, j'ai fait tout droit et ça lui va superbement bien. Il est pas trop long du coup, il est plus court que sur la, la petite demoiselle vu que j'ai fait 6 8 ans en, en hauteur, je pense qu'il aurait j'aurais pu faire du 8 10 ans mais c'était en largeur où j'avais peur. Et du coup là, il est vraiment il arrive à peu près au niveau de la ceinture et du coup je pourrais même laisser un petit peu dépasser la chemise ça sera euh, super joli il est trop beau dedans vraiment il l'adore parce que s'il m'avait dit oh non c'est comme l'autre, j'aime pas là clairement euh, <laughs> j'ai eu les boules mais bon il l'aime bien il est très très beau dedans par contre il est super chaud mon fils qui est pas frileux là clairement il, il va pas rattraper froid hein. donc euh, si ça tombe il va le mettre une heure mais, mais voilà, c'est pas grave, je suis contente. J'ai quand même terminé par, euh, enfin, réussi à faire ce petit pull. Franchement, celui-là, je l'ai mérité. <laughs> je trouve que j'ai fait ma coriace et euh, je suis très, très contente. Donc, vraiment, si vous hésitez entre les deux, les deux, les deux patrons, je vous conseille celui-là. Il est bien, bien mieux expliqué que l'autre. Là, il ne faut pas deviner combien de mailles il faut rajouter, tout ça, tout ça est inscrit, il est mixte, hein. sincèrement aussi bien pour un petit garçon qu'une petite fille, ça sera parfait, prêt à jouer avec les couleurs, les formes, etc. Et surtout, il est très très rapide. Si euh, vous êtes comme moi et que vous débutez, c'est le genre de projet qui fait plaisir parce que ça va vite, on voit vite le, le résultat, parce que j'aime, j'aime la pratique, mais j'aime aussi l'objet fini. Et c'est vrai que quand on est débutant et on se dit aïe aïe, est-ce que ça va aller, machin, voir l'objet évoluer comme ça rapidement, c'est quand même... Très très satisfaisant. Donc voilà pour ce petit projet. Euh, au tout début des vlogs, je vous avais dit que j'avais fait pas mal de promesses à mon fils. Clairement, je le ferai plus l'année prochaine. Euh, donc du coup, je lui avais promis de euh, bah, lui faire son petit pyjama de Noël. Il sait pas. Pour ceux qui sont cachés euh, sous le sapin, là, il y a interdiction en ce moment de regarder mes, mes vidéos. Je lui avais promis un petit pull. Je lui avais promis de décorer toute la maison. Ça, je l'ai fait. Clairement, vous arrivez après 16 heures dans ma salle à manger, vous êtes épileptique, il faut plus rentrer. Ça clignote de partout, il y a de la musique. Moi qui aime bien euh, les espaces assez épurés, euh, clairement en ce moment, il y, y, y a des petits trucs partout. Mais bon, je lui avais promis, euh, normalement je devais, euh, je devais travailler. Je devais travailler euh, le 24, euh, 23, 24, 25, 26, me semble-t-il. Le 24, c'est sûr, et euh, j'étais très très déçue donc je lui avais dit euh, vu que je travaille, on décore toute la maison comme t'as toujours rêvé pour me faire un petit peu pardonner. Hein, Après, j'avais pas le choix. Et il y a euh, quelques, quelques temps, on m'a changé de grille. On a eu euh, des changements, voilà. Parfois, on change les grilles pour, euh, pour équilibrer selon les arrêts, etc. On m'a changé de grille et je ne travaille plus le 24-25. Donc, du coup, je travaille les jours d'après mais ben, euh, clairement je m'en fiche, et, euh, et j'étais tellement contente de récupérer le réveillon, et euh, que je n'osais même pas lui dire, je me suis dit non non c'est trop beau pour être vrai, on va me dire non non ça va il y a un souci tu reviens, et, euh, et là je me dis on est le 23, j'ai de nouvelles de personne c'est plutôt bon signe, donc j'ai pu dire hier à mon fils qu'au final je ferais réveillon avec lui, et, et il était trop content, et moi aussi, enfin clairement si ça c'est pas la magie de Noël, je sais pas comment ça s'appelle. <laughs> je suis vraiment ravie. Donc j'avais promis euh, donc, cette déco, tout ça pour vous dire ça, hein, que j'avais promis la déco, que c'est déco. <laughs> Et ensuite j'avais promis également des petits personnages. Euh, j'avais acheté un kit au CSF de chez Lulu Compotine. Oui c'est ça, Lulu Compotine, elle fait des choses incroyables au crochet, c'est adorable. Elle est connue pour ses petites poupées. Et au CSF elle faisait un petit pochon avec des petits, euh, des petits personnages. Donc j'avais pris le kit. Euh, C'était pas très cher en plus euh, pour les patrons, tous les cotons, etc. Les petits grelots, je crois que j'avais payé euh, moins de 15 euros, c'est sûr. Moi bon, 14, je dirais, un truc du genre. Donc ça a été quand même plus que raisonnable. Et euh, donc j'avais promis des petits personnages. Donc j'ai pas su en faire 50, clairement. Mais hier, jusqu'à 3h du matin, j'ai fait ça. Ma nuit fut courte, mais j'ai réussi à remplir ma, ma dernière... Euh, voilà, à remplir, euh, je trouve plus les mots, à tenir, voilà. <laughs> Bravo Sarah. À tenir ma dernière promesse et il aura son petit lutin, enfin lutin Père Noël. Il est trop, trop mignon. J'essaye de vous faire un focus. Voilà. Regardez cette petite frimousse. Donc ça, je l'ai cousu. Ça, je l'ai cousu 50 fois parce qu'il a beau être grand, j'ai quand même toujours peur. Surtout qu'il m'a déjà dit, ah, je pourrais dormir avec. Donc voilà, je préfère tout bien accrocher, c'est quand même plus sécurisant. Je lui ai brodé les petits yeux. Je lui ai mis un petit peu de blush. Alors ça, ça se voit pas, mais aujourd'hui, lui et moi, on porte les mêmes. <laughs> et c'est juste trop mignon avec ce petit fil comme ça. Euh un petit peu fourrure, alors j'ai dû raccourcir là. J'ai dû faire un rang de moins, et là aussi, mais bon, c'est pas ça. Se voit pas, hein. mais j'aurais pas eu assez de laine. Je pense qu'il me restait un tout tout petit bout de c'est de la laine. Un petit peu, vous savez, tous ces fils, hein. la laine, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas chenille. Enfin, ça fait cet effet comme ça, c'est super doux, c'est très très beau. Donc voilà, mon petit lutin, euh, lutin Père Noël, il est vraiment trop chou. J'adore. Donc bah pour Noël, j'ai rien fait pour moi, hein, pas mon béret. Mon béret, j'ai même pas fait une maille en plus. Je me suis rien cousu, j'ai rien fait. Au final, ça aurait été vraiment un mois de décembre plus orienté pour mon petit, pour mon petit loup. Mais j'en suis j'en suis ravie. Je suis vraiment contente. Et quand il l'a vu, il tient, oh, je suis trop contente, c'est trop beau. Il ne euh, savait pas en fait que je l'avais relancé. Je lui avais dit Écoute, ça va être compliqué. Mais j'ai quand même réussi à lui en faire un. L'année prochaine, il aura le petit pain d'épices et puis je ferai peut-être euh, des petits sucres d'orge pour, euh, pour décorer le sapin. Alors ça c'est maintenant, hein. d'ici là j'aurais dormi, j'aurais oublié ou je vais encore une fois pas avoir le temps. Voilà, mais pour l'instant j'ai ça comme idée. Euh, il faut savoir, si vous avez pris le kit aussi et que vous n'avez pas eu le temps de le faire, le mien est un petit peu plus grand. Parce que normalement euh, ce, petit, ce petit bonhomme se, se crochette avec un crochet taille 2 et moi j'en avais pas clairement euh, arrivé 2 euh, 3 heures du matin euh, tu t'en fiches de la taille de ton crochet hein, en 3 moi je l'ai fait en deux et demi c'était très bien aussi donc c'est un petit peu un petit peu plus grand mais c'est pas c'est pas choquant on voit pas trop euh, on voit même pas du tout au final le coton qui est à l'intérieur c'est pas déjaugé donc voilà mon petit bonhomme euh, père noël lutin je ne sais quoi qui est franchement chou. Elle est vraiment très douée, euh, Lulu et Compotine. J'adore ses designs, c'est vraiment adorable. Voilà pour mes deux petits projets terminés. Et ensuite, j'avais dit, on parlait de 2024. Alors, pour 2024, qu'est-ce que j'ai prévu Alors, pas de grande résolution. Je ne... Voilà. Euh, les résolutions, manger moins de sucre, faire 15 fois par jour du sport, etc. Ça, c'est totalement le genre de résolution... Où je suis pleine de bonne volonté le 31 décembre et puis le 2 janvier j'ai déjà tout oublié, voir le premier. <laughs> okay. Ces résolutions là je ne les prends pas. Par contre tous les ans je me dis bah j'aimerais apprendre tel truc ou m'progresser dans telle chose. Voilà ça en général c'est mes résolutions et c'est les seules que j'arrive à tenir. L'année passée c'était vraiment mettre au, au tricot et Aujourd'hui j'ai Voilà, j'ai une chaîne où j'en parle. Donc c'est que je me suis à peu près tenue euh, à mon objectif 2024. Donc pour 2024 l'année prochaine, pas de grande résolution. Si ce n'est là, il faut vraiment, vraiment que je me mette un peu plus sur Instagram. J'ai des quantités de photos à vous poster. Parce qu'il faut savoir que le mari, en plus d'être mari, en plus d'être caméraman, il est aussi photographe. Des <laughs> heures perdues. Le pauvre, il mitraille tout, quasiment tout ce que je bricole. Euh, il en prend à chaque fois 50, histoire qu'il y en a une ou deux qui sont exploitables. Et je ne les poste jamais. À chaque fois, il me dit, mais t'exagères quand même <laughs> Donc vraiment, l'année prochaine, si je ne mets pas de photos sur Instagram, vous rouspétez. Vous me dites, on veut les photos, on veut les photos, on veut les photos. Parce que sinon, euh, voilà, j'y pense et puis j'oublie. Et euh, donc ça, c'est vraiment ma résolution. Et puis essayer d'apprendre à faire de, de jolies photos euh, bah voilà, de mes ouvrages, même s'ils ne sont pas portés. J'ai mon mannequin de couture, par exemple, c'est suffisant. Donc voilà pour mes résolutions. Et euh, pour cette chaîne, je voudrais euh, vous proposer plusieurs choses. Alors, je ne vous dis pas de date, je vous dis des idées que j'ai, mais je vous dis pas que je ferai tout. Je ne vais pas promettre, parce que je vous rappelle qu'au mois de janvier, toutes mes promesses, elles vont quand même bien. A quand même pas été tout simple tous les jours cette affaire donc je ne promets rien j'essaye et euh, je voudrais vous proposer plusieurs choses alors déjà j'aimerais faire un cal euh, pourquoi un cal parce que donc sur un, un petit un petit quelque chose un projet vraiment facile euh, un projet gratuit sur Avelry. alors je sais pas un petit châle un petit quelque chose enfin vraiment quelque chose pas euh, voilà pas un truc trop sophistiqué Déjà parce que je suis pas sûre d'y arriver <laughs> et puis aussi vraiment euh, voilà un truc euh, tout simple parce que euh, là vous savez enfin vous savez euh, vous savez peut-être je participe à celui de Valentine et euh, Valentine donc de la chaîne Petit Chandail avait proposé un cal parce qu'elle dit que le tricot bah souvent c'est une activité qu'on fait tout seul et histoire à un petit peu se réunir et j'avais trouvé que c'était une très très bonne idée et donc du coup, je suis sur ce groupe avec les autres filles. C'est un très bon groupe, et je remarque que, euh, que sur les groupes comme ça, on apprend un peu à mieux connaître les gens. Donc, euh, par exemple, il y avait une dame. Elle a fabriqué toute sa déco de Noël. Donc, elle nous montrait euh, des petites photos, etc. Donc, c'est pas pour être intrusif, mais je trouve qu'on apprend à mieux connaître euh, à mieux connaître les gens dans des petits groupes comme ça. Donc ça me ferait vraiment plaisir d'apprendre à mieux vous connaître, voir vos réalisations à vous, voir vos goûts, vos couleurs, enfin ce que vous, vous aimez. Donc pas obligé d'être abonné. Hein, si vous tombez sur cette chaîne par hasard et que vous avez envie de faire le cal, y a, y, vous pouvez. Hein. Mais il euh, n'y a pas d'obligation. Mais voilà, c'est vraiment pour dire d'apprendre un peu plus à vous connaître et puis pour échanger plus, plus facilement. Alors je dis pas que je vais vous envoyer 150 messages par jour, hein, c'est n'est pas vrai non plus. Mais voilà de temps en temps Valentine elle vient faire un petit coucou, elle voit un petit peu ce qui se passe et je trouve que c'est vachement bien. Et, je, et moi c'est quelque chose que j'aimerais vraiment cette année, c'est vraiment apprendre à mieux vous connaître parce que comme je vous dis, euh, alors en salon moi j'en ai fait euh, j'en ai fait qu'un depuis que j'ai réouvert cette chaîne et j'y suis restée euh, très peu de temps parce que j'avais un anniversaire. Donc, je ne vois pas trop les gens, je vois les pseudos qui reviennent assez régulièrement en commentaire, etc. Mais je ne vous vois pas, enfin, je ne sais pas ce que vous aimez, etc. Et j'aimerais un peu plus en savoir un peu plus sur vous. Donc, voilà un des objectifs. Donc, dans l'idéal, j'aimerais lancer ça euh, courant janvier, février, plutôt février, je pense. Dans l'idéal, hein, peut-être que je vais vous dire ça au mois de juillet l'année prochaine, on ne sait pas. J'aimerais un objet, donc je vous ai dit un patron gratuit ou comme ça vous ne devez pas trop dépenser d'argent. J'aimerais un quelque chose d'assez simple et puis j'avais pensé peut-être un petit rajouter un petit challenge de plus, euh, par exemple introduire la couleur de l'année ou quelque chose comme ça. Donc le Pantone de cette année, c'est couleur pêche. Donc voilà, peut-être garder ce truc de nouvel an de l'année 2024, peut-être, c'est pas sûr. Mais voilà un petit peu l'idée que j'avais là-dessus. Ensuite. La chose par-dessus tout que je veux mettre en place, on fait des tests depuis plusieurs semaines avec mon mari. Euh, oui, en fait, en gros, vous aurez compris que dès qu'il faut toucher un équipement, euh, quand... <laughs> j'embarque mon mari avec. <laughs> Et on fait des tests parce que j'aimerais bien rajouter euh, un enfin, concept, un grand, un grand mot. Hein. J'aimerais faire avec vous des lives. Alors, pas de panique, on ne va pas partir sur Switch. Je ne vais pas vous inviter je ne sais où. Euh, je vous rappelle que moi il y a deux semaines que je suis sur à Avelry, donc je vais pas euh, faire trop de nouveautés maintenant. Mais sur YouTube, on peut faire des lives et j'aimerais, alors là encore, hein, ça a peaufiné, hein, c'est des idées que je vous dis comme ça. En fait, je voudrais... Euh, donc j'ai deux idées. Soit on tricote ensemble, donc chacun son tricot, et puis on papote, on envoie des messages, etc. Donc ça, ça peut être sympa. Ou alors faire une espèce de podcast, mais en direct. Donc, par exemple euh, bah pour mon pull là je vous dis tac tac tac, j'ai tricoté tel modèle et puis si une d'entre vous veut savoir précisément c'est quelle couleur c'est quel truc comme ça elle peut poser les questions, donner son avis et puis interagir comme ça un petit peu plus spontanément parce que bah, j'adore j'adore filmer, j'adore les podcasts mais c'est vrai que des fois de ne pas avoir de retour en direct bah c'est difficile, c'est difficile, on sent <laughs> un petit peu seul avec cette, cet objectif à regarder. Donc je me dis, euh, ça serait sympa de, bah, de prendre conscience tout de suite qu'il y a des gens euh, qui, genre, qui regardent cette vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. Ça, c'est vraiment, vraiment le truc. Je ne vais pas promettre parce que maintenant, vous savez, j'ai peur des promesses. Mais vraiment, c'est ma top priorité, c'est ça. Pareil, dans le but d'apprendre à mieux vous connaître et puis d'en de, savoir un petit peu plus. Et puis euh, euh, voilà, c'était euh, une autre idée pour 2024. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais encore faire Ah oui, 2024, je veux faire plein de choses. Ça sera comme mes mois magiques avec plus de jours. Bah Là, c'est pareil, ça va être une année. Il y aura 24 mois dans l'année, ça, ça va être top. Ensuite, je voudrais... Euh, vous savez, vous savez je dis toujours, vous savez, comme si vous regardez toutes les vidéos, j'en sais rien. Vous savez peut-être que j'aime, euh, j'aime le tricot, c'est vrai, mais j'aime également énormément la couture. C'est, voilà, c'est quelque chose que, que je fais depuis des années et que je ne veux pas abandonner. Donc du coup, euh, mais je ne vous le montre pas assez régulièrement, enfin, pas assez, je ne vous le montre pas régulièrement. L'année prochaine, je voudrais, pareil, pas tout, pas tout le temps, pas à chaque podcast, mais vraiment vous dire, par exemple, je tricote telle pièce que j'aimerais associer avec tel patron couture pour vous faire un petit peu des tenues du jour. Parce que quand je fabrique quelque chose, quand je crée, souvent j'ai une idée de tenue. Je suis fan de tricot, je suis fan de tous les arts du fil, je suis également fan de la mode. Euh, alors pas de la mode euh, très moderne, etc. Hein, je suis toujours habillée de façon euh, très classique, mais j'aime j'aime les vêtements, j'aime les tenues. Je trouve que c'est vraiment un mode d'expression. C'est vous pouvez vous, vous sentir plus sûr de vous quand vous avez une tenue que vous appréciez. Donc voilà, je trouve que la mode. Pour certains, c'est futile. Moi, je trouve vraiment que c'est une forme de langage et j'ai toujours adoré ça. Et quand je, quand je fais une... Te... Enfin, quand je tricote ou que je couds quelque chose, j'imagine déjà comment je vais le porter. Donc je me dis, je pourrais vous partager ça un petit peu plus... un petit peu plus souvent et puis peut-être vous montrer les résultats, le résultat de la tenue en vidéo, filmé comme ça vite fait. Je ne vais pas vous promettre des photos sur Insta. Hein. Bien que c'est ma résolution, je ne vais pas non plus trop en faire. Et euh, donc voilà et euh, dernière chose là la prochaine vidéo avant de vous faire euh, les podcasts traditionnels je vais euh, je vais essayer non avant avant le 1er janvier ça sera pas possible ça sera vraiment tout début janvier avant de reprendre le rythme des podcasts, je vous ferai une vidéo euh, sur mon bilan en tricot de l'année. Je voulais faire le bilan couture et, et je sais pas. Je ne sais pas parce que l'année passée j'ai cousu bah, énormément de choses, mais plus des choses d'été. On partait en vacances et je n'avais pas beaucoup de robes, etc. J'habite dans le nord donc euh, et puis je suis très frileuse et voilà, donc euh, j'avais pas beaucoup de tenues, euh, enfin, de petites robes ou de trucs d'été, donc je m'étais cousue pas mal de choses. Mais euh, voilà, est-ce que c'est pertinent de les montrer en janvier Est-ce que je les garderai pas plutôt pour le reste de l'année Je ne sais pas. En tout cas, tricot, ça c'est sûr, je vais vous montrer. Vous inquiétez pas, je vais pas vous prendre tout l'après-midi à regarder. Ça fait pas très longtemps que je tricote et je suis longue à tricoter, donc c'est encore un petit peu long. Je vous montrerai peut-être mes 150 pulls sans manche que j'ai fait ce mois-ci. Une fois que ça, ça sera passé, ça va le plus gros sera fait. Donc voilà pour euh, mes petits objectifs. Donc ouais, euh, je récapitule dans tout ce flot d'informations. Des lives! Priorité absolue. Une vidéo là la prochaine sur les le bilan tricot, euh, des tenues et puis un calme. Voilà. Si j'arrive à faire tout ça plus les podcasts, je trouve qu'on sera déjà pas mal. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si les idées vous plaisent hein, parce que si vraiment il y a quelque chose où vous dites non non ça 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 va pas, vous pouvez aussi euh, dire euh, dire votre avis et c'est avec grand plaisir que je lirai tout ça. Voilà pour aujourd'hui. On y est. C'est la fin de ce vlogmas. Avant de vous quitter, donc encore un énorme merci euh, de m'avoir euh, suivi tout ce mois. En y repensant, vous avez eu le droit à quand j'étais malade, euh, la tête complètement farinée <laughs> du lever. Vous avez eu le droit à l'euphorie quand je pensais euh, avoir fini mon pull. Euh, le gros coup de mou quand j'ai pris conscience que ça n'allait pas. <laughs> je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, sachez que vous avez eu la Sarah 100% naturelle. Je n'ai pas menti, hein, j'ai tout dévoilé. Et, euh, et ça m'a fait vraiment grand plaisir. Je vous souhaite donc, euh, avec un tout petit peu d'avance, de très bonnes fêtes de fin d'année. Savourez chaque instant. Profitez de ces bons moments. Profitez euh, de vos amis, de vos familles, de vos collègues. Bref, profitez des gens que vous aimez. Et je vous dis à l'année prochaine pour euh, de nouvelles aventures. Bye